Zacharia. Lâche-la. Ça va, moi. Kéré. Zacharia. 1438. Bêche, Kéré, Mala. Il est quand même 1438. Ça va, moi. Ouais, mais c'est de mutation. Ouais. Donc là, le but, c'est quoi, Eli? Zacharia. Là. Et vous déjà pris l'autorisation pour les filmer? Là, il y a des beaux moutons filmés. De zaken op dit moment. Dus tot nu toe loopt het vrij goed. We zijn nu aan alle 120-tal schapen die alle gedood zijn. Wij verwachten op de ganse dag een stuk of 600. Het is pas 10:30, dus tot nu toe we zijn tevreden. Er wordt gezegd dat ze heel lang moeten wachten. Klopt dat? Ja, natuurlijk. Er zijn wel veel schapen die komen. We hebben ook een capaciteit van 600, dus we zijn op maximum capaciteit. Dus ja, de mensen moeten wel een beetje geduld hebben, zo is het.
Er was ook een man die zei, eigenlijk zou het beter zijn dat we al van de dag tevoren een nummertje krijgen, want ja, door het feit dat ik hier moest aanschuiven, heb ik het ochtendgebed gemist. Ja, dat is misschien waar. Dus wij denken dat misschien volgende jaar we zullen een nummer uitdelen, onmiddellijk bij de inschrijving op vooraan op het administratieve centrum. Dus dat is misschien iets dat we zouden moeten doen om de dingen hier een beetje sneller te laten lopen. Merken jullie dat het aantal schapen dat hier binnenkomt tijdens het offerfeest stijgt de afgelopen jaren? Ja, uiteraard. Dus verleden jaar hadden wij 750 inschrijvingen op voorhand. En we hadden op de ganze dag ongeveer 500 schapen gedood. Dit jaar zijn we naar meer dan 800 inschrijvingen. Dus wij verwachten 600 schapen vandaag. Dus 100 meer dan verleden jaar ongeveer. Dus dat betekent ook dat het aantal illegale thuisslachtingen terugloopt? Dat hopen we wel, dat is wel de bedoeling van die organisatie. Dus wij hopen dat wel. Oké, dank u vriendelijk. L'égorgement du mouton se passe aujourd'hui parce que bon, c'est un rite. Écoutez, ça se passe vraiment très très bien et je pense que maintenant au niveau de la ville, aussi bien donc la ville que la coordination qui s'occupe donc de l'organisation du sacrifice ont de l'expérience, donc ça fait plusieurs années et chaque année il y a mieux et c'est, ça se remarque, donc il n'y a pas de problème, il y a plus de monde que d'habitude et tout se passe bien jusqu'à présent. Dans la ville d'Anvers et la ville de Gand, il y a un égorgement sous sédation. On donne l'autorisation en tout cas. Est-ce que c'est aussi le cas ici à Bruxelles? À ma connaissance, non. Je pense que les organisateurs qui sont pour la plupart des gens responsables de mosquées notamment, pratique un peu à la façon traditionnelle et c'est quelque chose qui n'est pas remis en cause pour le moment à Bruxelles et jusqu'à présent tout se passe bien et je pense qu'il y a quand même un respect
d'après ce que je vois, pour la bête. Alors pourquoi pas la sédation à Bruxelles ? Ben là, vous me posez une question qui va au-delà, je dirais, de l'aspect fête que nous vivons aujourd'hui. Vous-même, vous êtes partisan de cette pratique ? Ben écoutez, là, je me positionne d'abord en tant que responsable politique et donc je pense qu'il y a un débat. Et ce débat va certainement aboutir à quelque chose qui pourrait être positif pour l'ensemble des citoyens, qu'ils soient musulmans ou pas. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'il y aura un égorgement sous sédation à l'avenir ? Écoute, ce que je sais, c'est que les musulmans qui pratiquent aujourd'hui le sacrifice, en tout cas ici à la ville de Bruxelles, le font dans les conditions les plus respectueuses de l'animal. C'est ce que je sais pour le moment. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, de quelle façon est-ce que cet égorgement se passe ? Ben écoutez, vous pouvez aller voir sur place comment ça se passe. Donc, je pense que la bête est tenue jusqu'au dernier moment en dehors du champ où se passe le sacrifice. Donc, chaque bête arrive de manière individuelle au lieu de sacrifice. Puis, je pense que celui qui égorge le mouton utilise un matériel qui est très affûté. Et ça se passe très très vite, de manière à ce que la bête ne souffre pas. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Pour le reste, maintenant, je vous dis qu'il y a un débat qui va certainement prendre du temps. Et peut-être que dans le futur, il y a des choses qui peuvent changer. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut aller voir ? Je pense tantôt. On peut pas filmer l'intérieur. C'est quelle chaîne, monsieur ? Très bonne fête, hein ? C'est des plus sûrs ! C'est la grande famille, ça, ici, hein ? Combien de moutons est-ce que vous avez égorgé, monsieur ? Ah, 14, monsieur. Avec indiscrétion, hein. C'est vrai, hein, c'est sérieux. Non, 12. 12, voilà. Bah, on n'est pas au... Hein ? C'est la grande fête, aujourd'hui. Très grande fête, ouais. La fête d'Abraham, hein, aujourd'hui, hein. Bonne fête à tous les musulmans de la Belgique, voilà. Fêtez ça avec nous, c'est bien. On vous reconnaît très bien maintenant. C'est quelle chaîne, monsieur ? Nous avons bien arrangé tout ici. C'est super, en fait, depuis 5 ans, on fait ça ici. 4-5 ans, on fait ça ici. C'est mieux qu'à la maison, sous-marin, comme avant, là. Hein ? C'est impeccable. Hein. Vous n'avez pas dû attendre trop longtemps ici ? Ben, vous voyez bien quelle heure il est. Il est 11h20. Hein ? On en a fait 14. Je suis éparpillé dans quelques voitures. Hein. Voilà. Ça va. Vers quelle heure est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui ? Ah, les premiers sont arrivés à 6h du matin pour avoir les premiers tickets. Et nous, on est venus à partir de 7h30, 8h. Comme on est nombreux, bon, on s'est organisé la veille. Hein. Ça va ? Et qu'est-ce que vous allez faire de cette viande ? Très très bonne question. La viande, aujourd'hui, on a juste le foie. On va commencer par le foie, les boyaux. Ça, c'est le soir et le lendemain. Là, on commence à couper un peu le mouton. Hein, ça va ? Et voilà. Et vous devez donner un tiers à des pauvres ou ça se passe comment ? On peut donner éventuellement un tiers à un pauvre, tout à fait, ouais, ou entièrement.
Ça va? Au revoir là. Que je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ça va? Adieu. Salut. Hein. Merci. À tous les citoyens belges. À tous les citoyens belges ici, dans tout le monde entier. On souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde. Et une bonne fête du sacrifice. Elle ne veut pas me lâcher, lui, la caméra. Ça va, monsieur. Quelque chose? Absolument rien. Ouais. On attend nos moutons. Alors, qu'attendez-vous, monsieur? On attend nos moutons. Vous attendez depuis longtemps? Égorgés, ça fait déjà 2 heures ou 3 heures. On les attend. Nous avons de la patience. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation ici? C'est bien organisé? Bien sûr, c'est bien organisé pour la première fois. Pour la première fois qu'on voit qu'il y ait le suivi à la lettre, mouton par mouton, et que l'organisation, elle est très bien. On n'a pas à nous plaindre, comme auparavant. Il y avait la pagaille. Dans certaines villes comme Gand et Anvers, on fait un égorgement sous sédation. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? C'est pas normal. C'est pas normal parce que, en principe, dans la religion, le mouton doit être égorgé. Et agonir tout doucement jusqu'à la mort. Ensuite, il y a l'enlèvement de la peau de façon professionnelle et quand le boucher termine ses travaux, il fait sortir les intestins, le foie, le et on nous livre le mouton bien propre, bien égorgé, sans aucune ni lacune, ni déchirement de la peau. Et qu'est-ce que vous faites de la viande? Vous la divisez en 3, je crois? La viande, elle est divisée en 3, dont le tiers est donné aux nécessiteux, et les 2/3 sont soit consommés morceau par morceau dans le frigidaire, soit on les... ça dépend des familles, on les rôtit moitié et 1/3. Et voilà, la fête elle est passée comme ça. Le principe, c'est pas que le mouton soit égorgé, ou la consommation de la viande. C'est surtout, ça sert pour aider les pauvres. Est-ce que vous croyez qu'il y a toujours des musulmans qui égorgent leurs moutons chez eux, à la maison? Je ne pense pas. Avec toute la surveillance et le suivi par la police de ces cas-là. Il y en a, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais en principe, on les constate et on les arrête. Carrément. Ok, je vous remercie, monsieur. Merci. Je peux avoir votre nom. Rébilly. Je suis avec vous dans mij. Succes à Mona. Ja, doe maar. Ja, wat betekent het offerfeest voor jou? Veel eten en een schaaf gaan dood maken. En ik vind dat heel leuk. En in onze godsdienst wil moeten eigenlijk
Omdat er is een verhaal daarover. God, eigenlijk was er een profeet en hij heeft van God gedroomd dat hij zijn kind heeft gezegd, dat hij moet zijn kind doodvullen. En daarna hij is dat gaan doen. En daarna direct als hij ging, hij kon niet het mes op het kind gaan zetten. En daarna kwam er, God heeft een schaap gezet in de plaats van zijn kind. En daardoor is het offerfeest begonnen. Vind je dat ook een beetje zielig dat die schapen geslacht worden? Of wat denk je daarvan? Ik vind dat een beetje spijtig. En ik begin ook soms te wenen als ze dood worden. Ja, ik vind dat ook een beetje zielig. Maar het is een traditie. Alsjeblieft. Het is een traditie. Het is altijd zo geweest. Ja, het moet zo. Wat ga je verder vandaag nog doen? Hoe ga je verder de dag doorbrengen? We gaan bij de familie, we gaan een beetje feesten. En we gaan over onze profeten en over ons God praten en zo. En zo, we gaan onze schaap eten. Wat gebeurt er met al dat vlees? Dat is niet alleen voor jullie, hè? Dat wordt ook verdeeld, denk ik. Kun je me dat eens uitleggen? Voor de armen geven we een beetje. Voor deze dat de moslims dat niet kunnen schapen gaan kopen, geven we ze hun een beetje. En de rest, we laten die in de frigo tot een volgende dag. Zo. Kun je mij nog eens uitleggen wat je zo leuk vindt aan het offerfeest? Ik vind het leuk omdat we praten over onze God en over onze profeten. En ook dat ik bij familie zit. En voilà. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Je mag nog even je naam noteren als je wilt. Ik parle bien flamand. Mon papa il est là-bas. Ah, il est scotché. Je vais te dire combien. Numéro d'avantage. Non, non, le numéro de. Regarde, il n'y a pas de nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle. Tout se passe bien, monsieur. Oui, elle est contente. Vous avez dû attendre longtemps ou non, pas tant que bien passé. En fait, était bien organisé, quoi. Donc tout le monde est content ici parce qu'on passe dans l'ordre. Il n'y a pas des gens qui essayent de passer quoi que ce soit. Chacun respecte l'autre, quoi. Et tout le monde est content, hein. Un numéro 13. C'est ça ce qu'on peut dire. Combien de moutons est-ce que vous allez sacrifier? Ouais, chacun son mouton, chaque famille sacrifie un mouton. Comment t'as fixé ça? Qu'est-ce que vous faites de la viande? On fait de la viande un peu partout, on partage d'abord avec tout le monde. C'est une journée de partage avant tout. Et après, on fait comme ça la cuisine marocaine par de mechoui, on évaporise la viande. On appelle les voisins, on fait ensemble, en groupe, quoi. Et merci. Appelle celui qui m'a donné ça. Amen.
Ah. Amir. Ah, j'ai dit. Salam alaykoum wa alaykoum salam. Jij spreekt Nederlands zeker. Kun je een beetje dichter komen? Is moeilijk met schaap. Gaat dat zo? Oké, wat gaat er met je schaap gebeuren? We moeten die geven en die gaat die dood doen. Dit is het offerfeest. Wat is de betekenis van dat feest? De betekenis dat is dat we moeten een schaap doen voor Allah. Dat door Mohammed Ibrahim. Ibrahim die had zijn kind dood doen, maar Allah die heeft die een schaap gegeven. Door dat is een feest, het offerfeest. Moussa? Zeg, wat is jouw naam? Noham. Noham, N-O-H-A-N. N-O-H-A-N. Ça, c'est son prénom? Oui. Et son nom de famille? Pachi, P-A-C-E. C-A-N. C-E. Ok, merci. Je vais rentrer là-bas. Attends, je vais regarder là-bas. Je vais faire chier. Maman.